Donc après un peu moins de 24 heures, le premier poisson tombe. Donc voilà une petite commune qui fait plaisir, un beau combat avec un super départ. Donc je vais vous montrer le montage qui est un peu particulier avec lequel j'ai pu prendre ce beau poisson. Donc, je voulais vous présenter le montage que j'ai utilisé pour prendre cette petite commune. Donc un montage que j'avais encore jamais essayé. Mais après avoir vu plusieurs poissons en surface et entre deux eaux, j'ai décidé de mettre une canne comme au zig. Donc voilà, là une petite bouillette maïs doux, donc dumb bait avec un crank. Et là j'ai fait un bas de ligne de 50 cm, donc décollé. Voilà, donc là je suis décollé de 50 cm dans le fond. Et comme les poissons passent en surface, j'ai essayé de voir s'ils prenaient plus facilement une neige décollée que une neige dans le fond, et apparemment oui, parce que ça fait 24 heures que je fais pas de départ sur le fond, et là 2 heures que la canne est placée et ça démarre. Donc voilà. Voilà les gars, donc là je viens de faire un poisson, il est à peu près 1h du matin. Donc une commune un peu plus grosse que d'habitude ici. Donc je vais retourner me coucher, puis on se fait des belles photos demain matin. Voilà, donc là je vais vous présenter le poisson de cette nuit. Donc une belle commune, un peu plus grosse que la moyenne ici. Voilà. Un poisson que j'ai capturé avec les épices. Donc notre gamme épicée en ce moment, ça marche plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, comme Instagram. Donc voilà, encore une belle commune qui est tombée. Ça fait plaisir. On va plier le matériel et puis on va rentrer.